Hello la Pixie Harmony, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que c'est pas trop la fin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée à Tokyo Disney. La bonne nouvelle c'est qu'il ne pleut pas, la mauvaise c'est qu'il est 8h20. Donc le parc est ouvert depuis 20 minutes. Et si je suis arrivée aussitôt c'est parce que je voulais faire une photo avec Shelly May, qui est un nouveau personnage présent pour la saison de Noël ici. Et comment vous dire, en fait donc le parc a ouvert ses portes depuis 20 minutes, hein, ça vous l'avez bien compris. Et en fait il y a une queue de 3 heures déjà pour aller la rencontrer. Donc j'ai abandonné. Et la seconde mauvaise nouvelle c'est que j'ai perdu une bague de famille qui était très très précieuse à mes yeux. Donc je vous avoue que pour l'instant c'est pas la grande joie. Les galères de la Tata Pixie continuent. Après une très bonne journée hier, bah aujourd'hui c'est très compliqué. Mais bon, on va essayer de profiter malgré toute cette journée. Allez. La Pixie Army, je suis en train d'attendre la parade des 35 ans qui commence à 9h30. Donc j'ai un peu plus d'une heure d'avance. Au moins je suis sûre d'être bien placée. Et aujourd'hui je suis dans Disneybound de Dumbo. C'est ma tenue préférée, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter avant. J'espère que je pourrai faire de jolies photos avec. J'ai attendu une heure pour la parade des 35 ans et en fait il se trouve que c'est un pauvre char tout seul qui fait le tour pendant 10 minutes du lac en reprenant la chanson classique. Archi déçue, je m'attendais à plein de trucs et là je vois juste un pauvre bateau qui fait un peu de la peine. Bon, les japonais étaient ultra emballés, mais moi j'avoue que je suis un peu triste d'avoir attendu une heure pour ça. J'espère que la célébration de Noël qui est à 11h30 sera beaucoup mieux. Le plan c'est d'aller me promener, d'aller voir les zones du parc que j'ai pas vues pendant qu'il faisait jour et beau. Explorer. J'ai trouvé une carte qui est absolument magnifique, donc vous l'avez juste ici. Je vous montre, mais il y a du vent, c'est un peu compliqué. Voici la carte, je la trouve très belle. En plus elle est en papier un peu plastifié, donc ça fait qu'elle doit tenir le choc. Je trouve ça trop joli comme souvenir en plus. Que Disney, si quand il pleut pas, et bah c'est beaucoup mieux. Je me suis dit que j'allais refaire l'attraction de Sinbad que j'ai trouvé très mignonne la première fois. Elle a que 5 minutes de queue et en plus de ça, elle dure assez longtemps. Donc autant en profiter. Pixie Army, je suis trop contente, je viens de rencontrer je viens de rencontrer les Oye Disney. C'est un truc de fou, ils sont juste derrière là, vous les voyez, juste à la sortie de l'attraction de Sinbad. Trop bonne surprise, ils sont absolument trop mignons. Je suis trop heureuse, trop heureuse. Et là du coup je suis en train de faire la queue pour l'attraction des tapis de jasmin. Et il y avait personne, donc c'était l'occasion d'en profiter. La
Pixie Army. J'ai pas pu vous filmer l'intérieur puisque c'était interdit, mais très bonne expérience de cette attraction. Déjà il y avait très peu de monde, en plus de ça elle est extrêmement bien thématisée. Et au-delà de ça, si on compare à Dumbo ou à Aladdin qu'on a chez nous, non seulement elle est bien mieux thématisée, mais en plus de ça elle est beaucoup plus douce. Et je trouve que c'est une très bonne attraction pour avoir un joli panorama du parc, puisqu'on a vraiment des vues magnifiques ici. Il est environ 10h45 et je me suis positionnée pour voir la première parade de Noël qui est donc sur Mediterranean Harbor, qui est donc le lac où se passe la parade. Alors sachez qu'il y a trois zones où vous devez avoir la loterie, donc vous êtes obligé de gagner pour pouvoir vous placer, mais sinon il y a des espaces autour du lac qui sont disponibles sans ces billets là. Par contre il faut arriver suffisamment à l'avance, donc sachez-le, si vous voulez une bonne place pour les parades, je vous conseille d'arriver une heure à l'avance puisque les Japonais sont assez patients. J'attendais et en fait il y a des gens qui se sont mis devant, apparemment c'était totalement normal hein. Mais moi j'étais pas au courant, donc j'ai rien pu filmer, j'ai pas pu profiter du spectacle. Et là je vais me diriger vers un autre spectacle qui s'appelle Hello New York il me semble. Bon bah à cause de cette personne juste devant, je suis pas sûre de pouvoir vous filmer le spectacle. J'ai vu le show New York, c'était plutôt mignon. Et là je me dirige pour voir des personnages, mais vous verrez ça dans une autre vidéo, n'est-ce pas, puisque je vous fais une vidéo spéciale personnages Disney à Tokyo Disneyland. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé du show New York? Bah c'était mignon, après sans plus, c'est pas le spectacle de l'année, mais c'est sympa si vous aimez les personnages et les tenues un peu thématisées. La Pixie Army, je ne vous reprends que maintenant, il est 5h, j'ai une bonne explication, hein. Vous avez vu, la nuit tombe. Alors déjà j'étais avec cet individu là juste derrière, ce qui explique que j'ai mis autant de temps. La première chose c'est que j'ai fait des rencontres personnages, que ça je vous montrerai dans mon vlog, ce qui explique que j'ai pas été très présente. Et surtout la deuxième chose c'est que, comme je vous l'ai expliqué ce matin, je crois que je vous l'ai expliqué ce matin dans le vlog, mais si c'est pas le cas, en fait j'ai perdu un énorme bijou de famille, un truc qui me tenait vraiment à cœur dans la chambre d'hôtel le soir où il y avait le cafard, mais bon, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Et en fait depuis ce matin je suis assez perturbée par ça, et du coup vu que Nini parle japonais, je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôtel voir si on pouvait résoudre le problème. On est en place pour le show fantasmique. Il faut savoir que c'est pas le même show que à Walt Disney World, donc je suis vachement curieuse de découvrir ça, sachant que là il n'y a pas de scène, donc tout se passe uniquement sur l'eau, donc je suis vraiment curieuse de voir. Et comme vous le savez, c'est Noël, et vu que c'est Noël, bah je vous gâte. Et du coup, je vous ai pris ce petit tout foufi. S'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la piscine.
trop beau. Je vous montre ça, c'est quand même assez exceptionnel comme nom. L'espèce de bateau, j'ai trouvé à manger, donc ce sont des patates avec des patates avec des pommes de terre. Ce sont des patates avec du fromage et du poulet. Donc je vais goûter ça, je suis contente d'avoir trouvé à manger et surtout je suis hyper heureuse parce qu'on vient de passer le cap des 10 000 sur Instagram là tout de suite, il y a 10 minutes. Du coup j'ai lâché un énorme gros mot en plein milieu de Disney, juste devant le Hollywood Tower, c'est juste énorme, je suis trop trop contente. Il est temps d'aller manger ce truc. Mais m'appelle. Il n'y a pas de couteau. Non. Ça va être sympa pour manger le poulet. Bah tu croques dedans. J'aime pas le goût. Ah ouais. Ah, j'aime pas du tout. Bon bah voilà. Bah je vais manger en dessous de fromage, je pense. Hein. Ouais, virlé. Comme vous avez pu le constater, la Pixie Army, la nourriture numéro 1, c'est tout un fail. Donc du coup là on est dans un autre restaurant qui s'appelle le New Delhi pour aller prendre des frites parce que j'ai faim. Hein, voilà. Et je voulais également vous parler de mon expérience de Fantasmique qui était projetée à 17h30 sur Méditerranée. Arbor, voilà, je bug beaucoup à parler aujourd'hui, c'est normal. Honnêtement, j'ai pas plus aimé que ça, j'ai trouvé ça très cheap. J'ai pas aimé du tout les énormes boules. J'avoue que la comparaison avec le Fantasmique de Hollywood Studio est quand même assez violente. Le dôme du milieu gâche beaucoup la visibilité, il manque les projections d'eau et tout. Ça reste un beau show qu'il faut, je pense, voir si vous êtes présent, puisque c'est quand même une version qui est complètement différente. Maintenant, elle est beaucoup, beaucoup moins magique, on va pas se mentir. Il est 19h30 et on se les gèle, mais on est placé pour le spectacle de Noël, donc c'est la grande première. Et il y a énormément de monde autour de moi. J'espère que je vais avoir une bonne place pour pouvoir vous filmer. En tout cas, pour l'instant, j'ai plutôt une belle vue. Et comme vous avez pu le voir, franchement c'était pas top hein, c'est encore un bateau qui tourne autour du lac. Voilà, il faut croire que j'ai vraiment pas de chance. Alors il faut savoir que c'est la pire saison de Noël d'après ma copine Lily. Elle est pas du tout au niveau des précédentes proposées à Disney Sea, et encore moins de Halloween de cette année. Donc voilà, donc je suis ravie, j'ai encore vu un show pour Ave.
franchement, bah, on est quand même content d'être passé dans la zone. Hein. Bon, par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la zone de jeu d'Ariel, découvrir un petit peu les trésors qui s'y cachent, sachant que j'y suis pas encore allée. Donc là, la Pixie Army, on se trouve dans la caverne aux merveilles d'Ariel, la petite sirène, que l'on retrouve dans le film. C'est vraiment une très très jolie réplique. J'aime beaucoup, et en fait, quand vous regardez juste au-dessus, bah, vous avez accès à l'extérieur, et en fait, c'est ce qu'on voit du haut quand on entre également. C'est trop trop mignon, j'adore ce sens du détail. C'est magnifique. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ça, c'est dans l'air de jeu du coup. Très sympa. On continue donc l'exploration. Apparemment, la prochaine étape, c'est Ursula. Chalalala, Mayoma, elle est intimidée, elle n'ose pas l'embrasser. Wow, wow, chalalala, mine est sage, c'est vraiment dommage. Adieu la fiancée, wow, wow. Bon, sachez-le, la Pixie Army, franchement, cet endroit payait pas de mine et en fait, on s'amuse plutôt bien.